Je vais vous expliquer comment avoir et trouver des noyaux explosifs sur le Lego de Fortnite pour créer une fonderie. Alors pour obtenir ces noyaux explosifs, ce que je vous conseille, parce que vous allez devoir aller dans le désert, c'est d'obtenir de la symphorine. Donc soit vous créez des milkshakes de symphorine, soit vous obtenez tout simplement de la symphorine, ce qui vous permettra d'avoir une résistance contre la chaleur pendant plusieurs minutes. Donc là par exemple, le milkshake va vous donner une résistance pendant 10 minutes. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans le désert et plus précisément dans les grottes qui se trouvent dans le désert. Je vous conseille aussi de créer des torches pour voir plus clair dans les grottes désertiques. Alors, pour trouver le désert, vous pouvez vous servir des coordonnées qui sont affichées en bas à gauche, donc par exemple -4,99. Après, il y a d'autres coordonnées où il est marqué emplacement tout en bas de l'écran, ou par exemple, il est marqué -498 000. Je pense que ces deux coordonnées-là peuvent vous aider à trouver le désert. Alors moi, principalement, ce que j'ai dû faire, c'est aller tout à gauche de mon camp. Donc comme vous pouvez le voir, mon camp est tout à droite. Je ne peux même pas y accéder parce que je suis très très loin. J'ai dû marcher pendant au moins 15 bonnes minutes pour atteindre le désert qui se trouve tout à gauche. Donc ensuite, quand vous êtes dans le désert, vous allez devoir trouver une grotte comme celle-ci. Donc avant de rentrer dans cette grotte, ce que je vous conseille, c'est de consommer soit de la symphorine ou soit de milkshake de symphorine pour avoir une résistance contre la chaleur. Alors ensuite, quand vous êtes dans la grotte, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver ces sortes de grosses pierres qu'il y a juste devant moi. On dirait des petits volcans comme ça. Ce que vous allez devoir faire, c'est soit les tuer ou soit les laisser exploser tout seul. Donc regardez, là, je vais pas l'attaquer. Mon collègue est en train de l'attaquer, donc mon PNJ est en train de l'attaquer. Mais voilà, vous pouvez les laisser exploser. À un certain moment, ils vont exploser et ils vont vous laisser tomber des noyaux explosifs. Et dès que vous aurez réussi à farmer assez de noyaux explosifs, bah là, vous allez pouvoir retourner dans votre village pour créer une fonderie. Code créateur SCL.